Michael et Richard m'ont demandé de venir parmi vous aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous refaire ce que j'ai fait il y a un an. C'était au Lean Summit à Lyon où j'avais tenté d'expliquer ce qu'on essayait de mettre en place en R&D chez PSA en matière de Lean Product Development. Donc, mon propos aujourd'hui n'est pas de vous expliquer ce qu'on a voulu faire chez PSA ou ce qu'on a tenté ou, dans certains cas, réussi à faire, mais plutôt ce qui était à l'origine de cette démarche, de voir quelles en étaient les racines quelque part, qu'est-ce qui est fait qu'on a cristallisé une réflexion et une action pour tenter, je paraphraserai un de mes anciens directeurs, de mettre du lean chez les ingénieurs en conception, même si j'aime pas beaucoup l'image, hein, parce qu'elle laisse supposer que c'est une démarche forcée, or ça ne peut pas l'être. Donc c'est pour ça que je l'ai un peu pompeusement appelé ce qu'on a appris de Toyota. En tout cas, ce qu'on a vu. Apprendre suppose qu'on a digéré, qu'on est capable de restituer. Nous n'avons pas été capables de tout digérer. Il faut en être conscient. Il y a un certain nombre de choses qu'on a pu faire et dont on n'est pas, ma foi, mécontent. Mais pas tout, hélas. Et puis, comme je l'expliquais au patron qui voulait lancer ça, ça prend pas en deux ans, ça prend une génération. Alors, le sous-titre de la présentation, ça aurait pu s'appeler aussi un peu l'étonnant voyage d'un ingénieur chasseur philosophe au pays des paysans de l'ingénierie. C'est là que vous voyez, sur ce slide, que quand vous passez d'un système Windows à un système Apple, ça ne marche pas forcément, même quand vous réclamez le transport des polices de caractère, puisqu'ici, normalement, c'est un truc qui ressemble à du japonais, donc ça ne se voit pas vraiment. Oui, donc je pourrais vous la raconter un petit peu façon lettre persane, mais ce serait un peu prétentieux. Et puis finalement, dans la lettre persane, Ouzbek décrit d'étranges coutumes à la cour du roi Louis XIV, et il s'en moque. Et moi, je serais bien malvenu de me moquer de ce que j'ai pu voir au cours des 7 années que j'ai pu passer au contact avec nos amis de l'ingénierie de Toyota Motor Corporation. Mais quelque part, si j'oublie, à la fin de l'exposé, vous me réclamerez la signification de cette phrase. Le chasseur philosophe et les paysans de l'ingénierie, je ne veux pas le détailler tout de suite, mais je pense que vous avez peut-être déjà une petite idée de qui est le chasseur philosophe et qui est le paysan de l'ingénierie. Alors, je ne peux pas vous raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a appris, si je ne vous parle pas du contexte, c'est-à-dire de l'environnement et un petit peu de l'histoire du projet de coopération, de développement et d'industrialisation que nous avons mené en commun. Et puis je ferai une petite analogie. Et l'essentiel de l'exposé tournera autour de quelques faits saillants que j'ai pu tamiser au cours de ces 7 années. Il y en a sûrement d'autres, hein. C'est une liste qui n'est certainement pas exhaustive. Bon, les éléments d'application, on y passera très très rapidement. En fait, je vous renverrai à la présentation que j'ai faite il y a un an. Et puis, je vous ferai une très longue conclusion en forme de slogan. Des slogans à la première personne avec des verbes d'action, évidemment. Alors, contexte. Courant 2000, les deux groupes se rencontrent et il se trouve que les présidents de l'époque, messieurs Cho et monsieur Foltz, s'appréciaient beaucoup. Ça aide énormément, hein, dans la construction d'une coopération quand deux personnalités d'exception s'apprécient. En fait, je crois qu'ils partageaient le même amour des vins de Bourgogne. Mais c'est une petite histoire. Modérément, ça va sans dire. Eh bien, les choses vont naturellement mieux. À peu près, on va dire, premier trimestre de l'année 2000. La concrétisation, vous la connaissez, c'est un projet 3 véhicules lancé dans une unité de production République tchèque le 28 février 2005. J'ai passé 7 ans en développement avec ce partenaire. Et puis, j'ai cherché à réfléchir un petit peu sur les choses étranges que j'avais pu voir. Hein, c'est le côté lettre persane. Et vraiment étrange parfois. Parce que je n'étais pas du tout préparé à ce que j'allais voir et vivre. Naturellement, alors je ne sais pas si c'est une spécificité de l'ingénierie française, utile de vous dire que j'y étais la fleur au fusil. J'ai eu des surprises assez intéressantes.
Donc le contexte général de cette coopération, au début, on a eu pas mal de réflexions avant de signer le premier contrat. Donc c'est les périodes intéressantes où on se reçoit dans des lieux secrets, on a le droit à rien dire, on signe à chaque fois qu'on fait quelque chose, on signe des papiers. Enfin, c'est assez amusant pour des ingénieurs. Et puis à un moment donné, on signe le contrat et là, ça devient moins drôle. On est hébergé dans les mêmes lieux sordides habituels, alors qu'avant, c'était plus fun. Et puis là, on rentre dans le dur. Donc, PSA avait la responsabilité des achats. Je vous la joue courte. Hein. Toyota, celle du développement et de l'industrialisation. Et d'entrée de jeu, ça a posé un certain nombre de questions intéressantes, au nombre desquelles, comment bien concevoir ce qu'on n'achète pas et comment bien acheter ce qu'on ne conçoit pas. C'est une problématique à laquelle j'ai eu à faire face, effectivement, pendant toutes ces années de coopération. Ça fait un contexte d'action assez intéressant, quand il faut partager des rationalités vraiment très, très différentes et faire une bonne ambassade technique. Alors, il y a un autre point sur lequel vous ne devez pas vous méprendre en m'écoutant. Il s'agissait de la première coopération. Nous sommes actuellement dans des stades matures de cette coopération. Messieurs, je suis persuadé que vous vous souvenez de votre premier rendez-vous galant. Il est probable que vous avez cherché à mettre toutes les chances de votre côté. Je ne doute pas que, mesdames, vous ayez pu faire la même chose. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que dans une première coopération de cette taille-là, entre partenaires de cette importance-là, eh bien, inévitablement, les deux compagnies mères cherchent à donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc, quelque part, il n'est pas exclu que les choses dont je témoigne ici, ça représente quelque chose, finalement, qui est terriblement vertueux, peut-être un peu trop, peut-être un peu plus que dans la vraie vie. Effectivement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les projets qui se suivent, avec ce partenaire, montre peut-être un petit peu moins d'enthousiasme, mais les principes sont là. Les principes sont là et je dois vous avouer que l'ambiance de cet environnement exceptionnel qu'on a vécu était assez émulatrice. Je vais le dire avec ce mot-là. Chacun avait réellement envie de donner le meilleur de soi. Alors, pourquoi et comment on a vu ce dont je vais vous parler ? Tout simplement parce que nous avions la chance d'avoir une coopération de développement et d'industrialisation. Donc, à partir du moment où on coopère en développement, et on commence à avoir des choses intéressantes. On partage des définitions numériques, des plans, on partage des spécifications techniques, on partage des dossiers, des cahiers des charges de consultation, des dossiers de justification. Donc là, vous commencez à aller chercher un petit peu ce qui fait le cœur des ingénieries. Donc la coopération est assez profonde de ce point de vue-là. Et les partenaires ont naturellement échangé tous ces documents pour la bonne exécution du contrat de coopération qui nous liait. Donc on a vu quand même beaucoup de choses à cette occasion. En revanche, et c'était une des difficultés de cette aventure, le contrat excluait de façon très précise le partage d'informations liées au savoir-faire. Il n'était pas question de transférer du know-how. Et bien sûr, à certains moments, ça pose un certain nombre de questions. Mon rôle dans tout cela, c'était celui, dans le jargon PSA, on appelle ça un RCRT, un responsable conception, responsable technique, ce que les Japonais appellent chief engineer. Donc j'étais celui du côté PSA et j'avais mon homologue, chief engineer, du côté Toyota. Alors, est-ce que vous reconnaissez l'image que je projette devant vous ? Non ? Bande d'ingénieurs. Là. C'est la caverne de Platon, voyons. Enfin, écoutez. Bon, alors, un mépris total du copyright. J'ai fait ça hier à l'arrache. J'étais chercher dans Google Images, caverne de Platon. Je ne sais pas si c'est protégé ou pas. Il y avait un truc ici, il y avait marqué prisonnier. J'ai enlevé prisonnier, ça ne faisait pas sympa. Vous vous souvenez, dans vos cours de philosophie, la caverne de Platon, en fait, nous ne percevons la réalité que sous forme d'ombre. Et je crois que Platon a donné cette description. Effectivement, la vérité, elle est quelque part par là. Hein. Après une montée rude et escarpée, vous voyez l'analogie. Vous avez un feu ici, vous avez la réalité qui se joue, qui se vit, et finalement, tout ce que vous ne voyez, ce sont que des ombres un peu imparfaites et imprécises. Où est-ce que je veux en venir avec mon analogie un petit peu capillotractée ?
C'est simplement, et ça va peut-être vous étonner, que, en fait, j'ai dû mettre les pieds deux fois dans un bureau d'études de Toyota. Pas plus. Strengths verboten. Pas question d'y mettre les pieds. Mais alors, me direz-vous, comment est-ce que vous avez réussi à faire pour en tirer quelque chose, en avoir des enseignements ? Ben, c'est relativement indirect dans un certain nombre de cas, donc on a dû faire des inférences, et puis dans d'autres, c'est beaucoup plus direct parce que nous avons eu la chance d'avoir une équipe de développement commune dont les têtes de pont étaient localisées au même endroit, sur un plateau de conception, une espèce de hot housing, comme on dit, mot à la mode. C'était à Carrières-sous-Poissy, sur les bords de la Seine, et nous avions, dans la même salle, l'ingénieur français, l'ingénieur japonais, son counterpart. Et donc, inévitablement, les échanges se font, en particulier le soir, quand on déguste une bonne bière. Donc, on a vu un certain nombre de choses. Pour certaines autres, c'est parfois par oui-dire. On a dû se contenter de témoignages de la part des ingénieurs japonais. On n'a pas pu directement le constater nous-mêmes. Donc, il faut être assez prudent dans ce qu'on avance, mais au final, le résultat est là. Si je vous dis que plus de 4 ans avant le lancement, 28 février 2005, la date précise du lancement industriel était connue, au jour près, et qu'elle a été tenue, et qu'en plus, la somme d'investissement nécessaire pour y parvenir a été moins élevée que prévue, je vous dirais quelque part, le résultat est là pour en parler. Et finalement, le produit s'est quand même bien vendu. Et je crois que c'est un gage et une preuve de ce que... Il y a un certain nombre de choses efficaces dont on a pu être témoin. Allez, on va rentrer un petit peu dans... Alors, je vous ai fait des têtes de chapitre. Il y en a sûrement d'autres. Ça, c'est un petit peu le chapitrage que j'avais adopté quand j'avais écrit une espèce de faux que sais-je, que j'avais pompeusement intitulé « Que sais-je sur le développement et la conception chez Toyota », que j'ai fait tourner en interne chez nous, pour alimenter un peu la réflexion sur ce qu'on voulait faire en Lean Engineering. C'était un petit peu mes têtes de chapitre. Donc on va les passer en revue ensemble, si vous le voulez bien. Le premier enseignement, je vous ai dit, on y est allé un petit peu la fleur au fusil. Je ne savais pas vraiment ce que c'était que le Lean. Pourtant, ça faisait depuis les années 2000 que des initiatives industrielles avaient été... un peu avant 2000 d'ailleurs, lancé chez PSA. Et a fortiori, je n'imaginais pas qu'un système puisse être à l'œuvre, effectivement, un système d'efficacité particulier puisse être à l'œuvre sur la partie R&D chez eux. Et bien, ce qu'on a quand même finalement trouvé, c'est que les modes opératoires de l'ingénierie chez Toyota sont très très cohérents avec le Toyota Production System. C'est une forme, ça ni plus ni moins qu'une forme du Toyota Production System, sauf que là, vous devez entendre le mot « production » au sens de production de valeur, et non pas de production manufacturière, dans le cas de l'ingénierie. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de ces petites briques élémentaires. Alors, ça n'a pas de prétention d'ordre, je ne suis pas un spécialiste des présentations, ne m'en veuillez pas, c'est un petit peu échevelé. Alors, tout d'abord, la standardisation du travail... et des reconduits techniques, d'ailleurs, autour de normes sévères, mais évolutives, et de checklists. Ben, ce que j'ai trouvé, finalement, c'est qu'aux gammes de production répondent, sous une forme de pendant, quelque part, des standards de conception éprouvés et qui sont conçus comme la somme ensembliste, des emmerdements du passé. On va le dire comme ça. Enfin, il y a des façons plus polies de le dire, mais à chaque fois que je leur posais la question de savoir mais ça veut dire quoi ce paragraphe dans la spec, en général, ils étaient capables de sortir qu'ils avaient eu un procès sur le dos aux États-Unis ou ailleurs, ou qu'ils avaient eu un souci en termes de durabilité, par exemple, et que ce paragraphe était censé y répondre. Donc, c'est très, très clairement construit comme l'accrétion successive et régulièrement revisité, parce que si vous faites ça, vous avez des standards qui se transforment en monuments, évidemment. Donc il faut bien les revisiter de temps en temps, les élaguer, les rendre efficaces. Mais c'est bien la somme ensembliste des enseignements tirés du passé, des réglementations, et évidemment, en premier lieu, des exigences incontournables, cette fois-ci du manufacturing. Ça, c'est très clair. Très, très clair. Il me revient en mémoire, ce que je ne vous ai pas dit, parce qu'il y a plein d'exceptions dans un développement pareil. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si Toyota avait la responsabilité du développement
du véhicule complet, il y avait quelques petites exceptions, en particulier sur les motorisations. Nous avions la responsabilité de la motorisation diesel et de son développement et de son adaptation. Et, allez savoir pourquoi, je ne l'ai compris qu'au bout de 3 ans, celle des assises, les sièges du véhicule. Et un jour, j'ai eu la surprise de constater, après avoir fait livrer le premier mulet de siège à Toyota City, alors il avait été bien empaqueté par le fournisseur, et il était dans la salle du projet, et je voyais l'ingénieur en chef qui était assis sur cette espèce de barquette en bois sur laquelle on avait vissé les glissières du siège, et puis il y avait le siège. Et mon ingénieur, là, il était sur le siège, et puis il actionnait le palonnier de siège, vous savez, le truc qu'on tire devant ou sur les côtés pour faire le réglage longitudinal. Et puis il y allait, franco. Là, bon. Et à un moment donné, je le vois sortir un briquet de sa poche, vous savez, le petit briquet en plastique, et délicatement, il vient le poser à l'intérieur des glissières. Vous voyez, les glissières de siège, ce sont des rails, une partie mâle, une partie femelle, avec des roulements à billes. Il vient le déposer, et là, rang, il vient continuer, et il vient, avance, recule. Moi, je lui ai dit, un peu étonné, « Et tiens, Gisin, what are you doing ?» Il me fait, « Oh, Soulisan, you don't know the lighter test ?» Oh, je lui dis, « Non, je ne connais pas le test du briquet. Pourquoi ?»« Ah ben, il me dit, c'est simple. Un jour, aux États-Unis, alors je ne sais plus sur quel modèle, il y a un client qui avait un briquet dans sa poche, qui a pris la voiture pour aller acheter le pain ou je ne sais trop quoi, puis sa femme venait de prendre la voiture, elle était plus petite que lui, elle avait avancé le siège. Et puis lui, il avait oublié de bien régler son siège. Donc au premier feu rouge, hop, il veut régler son siège, il l'écarte un petit peu. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'en montant, le briquet était tombé dans la glissière. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'en reculant la première fois sur son briquet, il avait appuyé sur la molette de libération, sur la queue de détente, là, comme dirait M. Beer, de libération des gaz. Et donc, le gaz se répandait lentement dans la cave à pied avant. Puis au deuxième feu rouge, il n'était pas content de son réglage, il a redonné un petit coup de réglage, et là, manque de chance, il a actionné la molette. Et là, chrouf. Donc Toyota a dû non seulement payer un pantalon, mais en plus, ils ont eu un procès. Donc il me raconte tout ça, et il me dit, depuis ce temps-là, on a mis le test du briquet. Voilà, elle est véridique. Il n'y a pas de petite affaire. Il n'y a pas de petite histoire. C'est un élément de standard. Alors, il y en a bien d'autres pour des sièges. La fonction siège, c'est une des fonctions les plus contraintes réglementairement dans la voiture. On a beaucoup, beaucoup, croyez-moi, j'ai été le responsable métier de cette fonction-là en développement. Il y a énormément de critères techniques, en particulier de résistance. Et puis, il y a le confort également. Mais là, c'est un exemple. Tous les ingénieurs qui développent des sièges chez eux savent qu'on doit passer le test du briquet. Mais il n'y a pas que celui-là, je vous rassure. Bien. Alors, le management visuel. Il faut parler du management visuel. Alors, au début, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre que c'était du management visuel. Ils avaient des tas de feuilles avec des cases. Puis ils notaient des tas de trucs dedans. On se demandait bien ce que ça faisait. Puis ils prenaient un temps fou pour prendre des décisions. Ça nous énervait beaucoup, d'ailleurs. Parce que nous, on prend des décisions très vite. Bon, on les remet en cause. Mais bon. Puis on a appris que ça s'appelait des A3. Et puis, on a bien vu qu'à un moment donné, pour collationner les soucis, une fois qu'on était arrivé à l'usine, on utilisait des formats A4 avec des cases, des Design Investigation Report, qui circulaient très, très bien, très, très vite entre les départements. Et que tout ça était managé de façon très visuelle, pour ne vous citer que cet exemple. Et donc, ils utilisent énormément de documents préformatés, et très simple à mettre en l'heure. Je dois vous avouer qu'en 7 ans de coopération, pour une fois, il ne m'est jamais arrivé de ne pas comprendre ce que je lisais qui venait d'eux. Jamais. Bon, j'en dirai pas plus. Il y a un bel exemple, M. Kazoglou pourrait en parler. Alors, je ne sais jamais si c'est le SQAM ou le SQUAG. Le Supplier Quality Assurance Manual, ou Guideline, je ne sais plus, qui est une bible assez épaisse, parfois un peu indigeste, mais qui regorge de formats très simples à utiliser dans la relation
qu'ils ont avec leurs fournisseurs. Et naturellement, nous les avons reconduits, ces formats visuels qui sont d'une simplicité extraordinaire. Tout ce qui tourne autour des caractéristiques techniques essentielles pour les fonctions, pour les pièces qui sont livrées à l'usine, qu'ils appellent le Part Inspection Standard, sont des formats visuels d'une simplicité d'utilisation extraordinaire. Ça va même jusqu'à leur nomenclature. C'est simple, le nom de la pièce est dans le numéro de la pièce. Comment ils font ? C'est simplement un découpage organique. Le découpage organique, c'est toujours le même. Alors je vais vous dire une bêtise, le faisceau d'habitacle principal, il s'appelle toujours 42770. C'est pas ça, mais peu importe. Ouais, toujours, quelle que soit la voiture. On ne peut pas en dire autant de tous les constructeurs. Je pense qu'il y a certains équipementiers dans la salle qui ne me démentiront pas. Donc le A3 est effectivement très répandu et d'utilisation courante. Alors le A3, il a différentes instances possibles. Alors le plus célèbre, c'est effectivement le A3 qui est le support de la résolution de problèmes. Bien sûr. Personnellement, j'ai découvert assez tardivement, quand on est arrivé à l'usine d'ailleurs. Je ne l'ai pas trop vu quand on était en phase amont du développement. Je me souviens un jour avoir entendu le président de notre JV, Enomoto-san, m'avoir dit, c'était un grand monsieur, comme un très grand patron. Hein. Chez Toyota, il était au moins niveau golfeur. Et ce type-là était un juriste. Qu'est-ce qu'il savait de l'ingénierie, de formation ? Il ne savait pas grand-chose. Par contre, comme tous les autres, il était passé un peu par la moulinette résolution de problèmes, avec les étapes de la résolution de problèmes, le sacro-saint PDCA. Et un jour, il me présente son collaborateur direct, qui était un type adorable, vraiment hyper serviable, vachement intelligent. Il y avait un problème, bon, vous retenez pas ce que je vais vous dire, il avait la gueule du salaud dans Bug Denny. C'est le seul problème qu'il avait, ce garçon. Et il me le présente, il me dit, voilà mon collaborateur, monsieur Ito, je crois qu'il s'appelait, c'est quelqu'un de très bien. Bon, en résolution de problème, j'ai eu un peu de mal avec lui. Je n'avais rien demandé, moi. J'ai eu un peu de mal. Ça m'a pris 3 ans pour lui enseigner la résolution de problème. Vous imaginez le niveau hiérarchique de ce gars-là et le soin et le souci qu'il avait, rien que de me dire comme ça, au détour d'une conversation, ça m'a pris 3 ans pour le former sur la résolution de problème. Je vous ai parlé des DIR tout à l'heure, Design Investigation Report, un bel exemple de management visuel que j'ai connu et qui m'a valu d'ailleurs un certain nombre de sueurs froides. Je ne sais pas comment ils l'appellent, moi j'avais appelé ça les casiers de la terreur à Colline. Alors c'est simple, vous avez pour chaque grand département d'ingénierie, quand vous arrivez à l'usine, les feuilles de problèmes relevées par les monteurs, les emboutisseurs, les ferreurs, les peintres, peu importe, font l'objet d'une DIR, Design Investigation Report. Et quand c'est de responsabilité de conception, ça arrive dans le bureau d'études, il faut le traiter. Et le soir même, au Yuichi Meeting, au marché du soir, devant l'ingénieur en chef, on doit dire c'est quoi mon plan pour résoudre le problème. Et une fois que la question est émise, elle rentre dans un cycle infernal, c'est-à-dire que vous la posez dans une bannette, chaque ingénierie a une colonne de bannettes en plastique, vous savez, courrier départ, courrier arrivé. Vous en avez 5, noires, et la 6e est rouge. Je ne m'étais pas méfié. En plus, ils n'étaient pas idiots. Ils avaient mis les 2 bannettes les plus proches du couloir, celles où tous les grands patrons passaient. C'était les 2 bannettes qui étaient de ma responsabilité à moi, celles de PSA. Pas fou. Et je n'avais pas fait attention que tous les jours, tant qu'il n'y avait pas de réponse, pof, la feuille descendait d'un cran. C'est simple. À l'ère de l'informatique, vous ne pouvez pas imaginer plus simple. D'accord ? Je me suis fait prendre 2 fois. La main dans le pot de confiture, pas 3. D'accord ? On a tout fait pour que nos feuilles n'arrivent jamais dans la bannette maudite. D'accord ? Bon, volonté d'exemplarité. Management visuel, c'est quelque chose de simple. Ça doit parler au cœur de tout le monde. Voilà. Voilà. J'espère vous avoir convaincu. Il n'y a pas besoin de mettre en place des trucs compliqués. Et ça marche très, très bien. Ça, c'est un truc que j'ai découvert, je l'ai soupçonné vaguement. Et progressivement, je me suis aperçu qu'il y avait peut-être quelque chose d'un petit peu plus profond que la surface des choses. Derrière ce que j'avais découvert au travers de leur étude poussée de solutions alternatives. J'avais bien remarqué qu'ils n'hésitaient pas, pour arriver à sécuriser le planning, j'y reviendrai, à mettre un peu d'argent sur la table pour faire un bout de maquettage, un essai supplémentaire, y compris sur des solutions alternatives dont on savait très bien qu'elles avaient peu de chances d'aboutir.
c'est assez antinomique avec, avec une notion d'une approche économique, a priori. Sauf qu'on a rapidement découvert que ça permettait à tous les coups de sortir gagnant. Dans un certain nombre de cas, on s'est trouvé très bien d'avoir eu, et d'avoir eu la chance, ou plutôt, ce n'était pas de la chance, c'était une volonté de leur part, de développer cette solution alternative. Donc, quelque part, j'étais assez frappé de constater qu'ils étudient assez souvent de multiples solutions pour une question posée, pas sur toute la voiture, sur un certain nombre de points très spécifiques, qu'ils éliminent les conceptions les moins appropriées de façon graduelle, qu'ils gèrent le planning d'une façon extraordinairement rigoureuse, c'est-à-dire que ben, vous jalonnez ça en go, no go. Si ma solution alternative pour sortir, je dois topper son héros à telle date, mais que je ne suis pas sûr de mon coup, eh bien, je fais mes études pour l'avancer. Et si au jalon en question, ça n'est pas sorti, eh bien, je vais sur la solution palliative, sur ma solution de backup. C'est d'une grande sécurité. Je ne peux pas faire ça pour le développement de toute une voiture. Ce serait un suicide économique, naturellement. Les solutions techniques sont souvent des combinaisons des solutions existantes ou des concepts déjà appliqués. Mais il n'y a pas vraiment d'obsession. J'étais persuadé en y allant, j'avais plein d'idées préconçues, qu'ils étaient obsédés par le reconduit physique strict. Same reference. Pas vraiment. Pas vraiment. Par contre, ils sont totalement obsédés à l'idée de reconduire un process ou une usine, ça c'est clair, avec des évolutions, ou de reconduire des interfaces. Alors là, on rigole plus. Donc, une grande attention est portée sur la modularité des interfaces, sur la reconduction physique, fonctionnelle des interfaces entre fonctions organiques. Ça, c'est très puissant. En revanche, si pour s'adapter à un projet donné, il faut modifier une pièce ou une fonction, ils n'hésiteront pas à le faire. Par contre, les grands principes sont connus et on n'y déroge pas. Ce que j'ai également constaté, en avoir discuté avec certains de leurs ingénieurs, c'est que vous allez me dire, oui, mais les trucs qui tombent là, qui sont écartés, les solutions qui sont écartées, ce n'est pas tellement intéressant. Économiquement parlant, on a dépensé de l'argent pour rien. Ce n'est pas lean, votre truc. En fait, ce qui se passe, c'est que, et ça, c'est un de leurs ingénieurs, le gars qui concevait les timoneries des suivis, qui m'a expliqué, les concepts qui sont abandonnés, dans cette phase de sécurisation, d'avancer en parallèle différents concepts, eh bien, ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Ils ne sont peut-être pas livrés au client final, donc effectivement, ils ne sont pas sur la première chaîne de valeur. Vous savez, la bien connue, celle qui va de attente marché à client satisfait, elles sont sur l'autre chaîne de valeur, celle qui intéresse un peu plus l'actionnaire, celle du savoir-faire technique de l'entreprise. D'accord ? Ben, finalement, j'ai découvert très tardivement que ce qui se cachait derrière tout ça, il y a des gens très savants. Je pense à Liker, je pense à Kennedy, et je pense surtout à Alan Ward, qui a inventé le concept, Cell-Set-Based Concurrent Engineering. Alors, j'aimerais bien vous en parler, ça prendrait 2-3 heures. J'ai ce qu'il faut dans l'ordinateur. Je ne pense pas que c'est le propos aujourd'hui. Je l'ai encore fait hier. J'ai juste un mot à vous dire. C'est, à mon sens, la démarche réellement originale du Lean Product Development. Originale au sens où c'est réellement spécifique de l'univers du développement. Il y a plein d'autres choses qui viennent de l'usine et qu'on peut appliquer en ligne vers l'environnement de développement produit. Ça, c'est réellement adapté et spécifique. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous lisez Liker, vous lisez Kennedy et surtout, allez chercher Sobek, S-O-B-E-K. Vous tapez Sobek dans votre moteur de recherche, vous allez trouver les papiers en PDF, c'est très bien fait. Le Set-Based Concurrent Engineering. Nous avons eu le plaisir, en tout cas, moi j'ai cherché à l'impulser chez PSA, j'y reviendrai à la fin. Nous avons un certain nombre d'expériences, nous avons mené des gros chantiers sur l'initialisation de processus en set-based concurrent engineering. C'est d'une efficacité redoutable. C'est extrêmement puissant et en plus c'est très fédérateur. Ce qui n'est pas rien quand on sait les difficultés que nous avons à faire causer nos différentes ingénieries. La réutilisation des solutions. Alors, effectivement, l'ingénieur chez Toyota possède... il paraît que mes successeurs en ont vu. Moi, j'en ai jamais vu. Vous voyez, la caverne de Platon. Par contre, les ingénieurs chez Toyota m'ont dit, on a des cahiers de connaissances.
Alors, ils ont le choix, c'est ou du papier, certains aiment ça, ou des laptops avec des liens, des bibliothèques, ce genre de choses. Et en tout cas, ces bibles de concepts techniques sont vivantes, sont utilisées systématiquement par les ingénieurs de conception, et c'est le patron du département qui est responsable d'en maintenir l'intégrité. Et je vous dirais même que le patron du département de développement challenge ses ingénieurs sur l'amélioration de cette bible de standard. Dans l'exemple qui me revient en tête, je vous citerai l'exemple de... comment il s'appelait ? Watanabe. Watanabe-san, qui était ingénieur qui développait les essuie-vitres, m'a dit, moi, mon challenge cette année, il m'a été donné par mon patron, il m'a dit, je nous trouve un peu faiblard sur les délais d'obtention prototype. On n'a pas beaucoup de connaissances avec les différentes technologies. Tu vas profiter de ce nouveau partenaire, de ce nouvel environnement, de découvrir des nouveaux fournisseurs en Europe, et tu me ramènes tout ce que tu peux me ramener sur les délais d'obtention en termes de techno-proto pour nos timoneries d'essuie-vitres. Voilà, c'était très ciblé. Et il m'a dit, moi, j'ai commencé à réunir des informations et je présente régulièrement l'avancée de mes travaux à mon patron. Et cette année, on va officialiser une nouvelle version où ce chapitre-là de notre Bible, de notre cahier de connaissances, sera mis à jour grâce à moi. Et il était très content. Il était très content. Ils utilisent beaucoup de checklists. En particulier, en tout cas à l'époque, alors je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, à l'époque, les patrons de département signaient les plans. Quand je dis signer les plans, c'est avec des doigts et un stylo. D'accord ? C'est pas Visa mail ou système d'information. Je me suis même laissé dire dans certains départements un peu reculés. Je crois que c'est en ingénierie de mécanique. Ils sont un peu comme ça. Ils signent avec leur sceau personnel, leur encou. Bon. Donc c'est un engagement fort. On vous a tous déjà expliqué que le fait de tirer la cordelette en don ou de remonter un post-it dans une obéia, c'est un acte qui nécessite une certaine forme de courage. Et oui, c'est de dire j'ai un problème ou j'ai envie qu'on traite une question. Là, c'est le manager s'engage. Il a signé lui-même. Et j'aime autant vous dire que le patron du département, il ne signe pas s'il n'a pas vérifié que l'intégralité des checklists sont bien collationnées, bien vérifiées, bien validées. C'est un moteur extrêmement puissant. Ce que chez PSA, on pourrait appeler finalement chez nous l'équivalent des revues de robustesse ou des revues techniques, quelque part. Alors, l'inconvénient de ça, et ça je m'en suis aperçu assez vite, c'est que les solutions inconnues, not invented here. Je me souviens avoir tenté de leur vendre le concept de... Vous vous souvenez de la Xara Picasso ? Bon, alors, vous imaginez bien, c'est un 107 Aygo, c'est un véhicule d'entrée de gamme, à pas cher. Donc on cherche des économies techniques, encore plus sur d'autres gammes. Et donc l'idée que j'avais essayé de leur vendre, c'est de dire on ne va pas mettre de joints de pavillon. Les joints de pavillon, vous savez, c'est ces deux grandes bandes longitudinales qui sont au-dessus du pavillon, sur le toit de la voiture. Et en fait, à quoi ça sert ? Ce sont des enjoliveurs, ça sert à masquer la ligne de soudure entre la tôle de pavillon et la tôle de côté de caisse, tout simplement. Et un truc rigolo, vous savez comment ils appellent ça les Japonais, les joints de pavillon ? Ils appellent ça Mohican Roof Molding. Ils sont très imagés en termes de terminologie. Donc j'ai tenté de leur vendre ce concept. Ils étaient vent debout. Ils ont freiné des quatre fers. Impossible. Jusqu'au jour où, assez énervé, et en réunion, on était au Concours de Lafayette, je traîne le boucho, le patron, le grand patron du département développement de caisse, et je lui dis, écoutez, venez dans le parking, on va bien en trouver une, je vais vous le montrer. Il ne voulait pas me croire. Je finis par en trouver une, quand même pas mal, d'Xara Picasso. Ça a été un de nos bons succès. Et je lui montre qu'il n'y avait pas de joint de pavillon et qu'en termes d'aspect, c'était tout à fait acceptable. Il me regarde, il me fait « This is special prototype for me ». Ah oui, non, ce qu'il faut savoir aussi avec ces gens-là, c'est que c'est très sympa de travailler avec eux, c'est assez difficile. Saint Thomas était un jobard crédule à côté d'eux. Alors j'ai dit, mais qu'à cela ne tienne, on va en trouver un deuxième. Il lui en a fallu trois. À la fin, il a admis que c'était industriel. Bon, en fait, on ne l'a pas fait, tout simplement parce que, et c'est un autre aspect des choses, ça aurait exigé, vous connaissez un peu le processus de ferrage entre tôles, on fait ça par électrode, et on fait passer un courant électrique. Et ce sont des électrodes de cuivre qu'on appelle les mises, les ferrures appellent ça des mises. Et donc l'état de surface de ces électrodes est très important. Il faut les roder régulièrement, et ça c'est embêtant pour l'usine. Eh bien quand on fait des soudures d'aspect,
on doit être encore plus attentif et c'est beaucoup plus contraignant pour le fabricant. Or, et je l'ai appris depuis, la sérénité du fabricant n'a pas de prix. En particulier, celle d'un joint de pavillon. Donc, nous avons mis des joints de pavillon. Bien. Alors, en termes de planning, ça, ce que j'ai voulu dire par là, j'ai dit, mais tiens, finalement, vous savez, on cherche à faire coller un schéma mental. On dit, la maison du Lean, la fameuse maison Toyota, on a la même chez PSA, hein, sauf qu'on a été, on a voulu être intelligent, on a mis le juste à temps à gauche et eux à droite, ou l'inverse, je ne sais plus, enfin bon, c'est à peu près la seule différence. Je me dis, qu'est-ce qu'on a au niveau du juste à temps, finalement? Eh bien, on y réfléchit un petit peu, c'est assez cohérent, et on s'est aperçu assez vite que l'ingénieur en chef et sa toute petite équipe, ZP, hein, s'appelle l'équipe de l'ingénieur en chef, ils avaient, pour notre projet à nous, ils avaient une grosse, une très grosse équipe, 10 personnes au maximum, ce qui fait rêver chez PSA quand on connaît la taille de nos équipes projet, qui sont un petit peu plus importantes. Pourquoi ? Parce que c'était une coopération nouvelle et puis que c'était un projet overseas, donc il y avait besoin de pas mal de coordination. Eh bien, l'ingénieur en chef gère des plannings macroscopiques. C'est lui qui a l'image du véhicule en tête. Il personnifie le véhicule, très clairement. Il émet un planning, qui est un planning macroscopique. Il ne rentre pas dans les détails. Moi, j'ai vu des ingénieurs en chef dans d'autres entreprises que je ne citerai pas aller jusqu'à la vis de 12 hein, et rentrer dans des détails de planning d'une affolante complexité et d'un détail indu. Non, eux restent à un niveau très macroscopique. En revanche, les divisions métiers qui servent le projet, elles et leurs ingénieurs dédiés sur les projets, sont en charge d'affiner ce planning. Donc, quelque part, finalement, nous avons un flux tiré de planning tiré par l'ingénieur en chef. Alors, je dis carte Kanban, je ne suis pas un grand spécialiste, mais ça ressemble un petit peu à ça, quelque part. Et c'est quelque chose qui est vraiment suivi scrupuleusement et religieusement. Les ingénieurs tiennent à jour, il peut y avoir des modifications, en particulier sur notre projet, nous avons des phases particulières d'intégration au Japon avant de passer en République tchèque, la phase Japan Assembly, que vous n'avez pas vu apparaître dans le slide de M. Kazoglou, parce que, à l'évidence, il n'en avait pas eu besoin. En Australie, de cette phase-là, eh bien, il a fallu mettre à jour un certain nombre de choses, et les ingénieurs réfléchissaient, discutaient, faisaient beaucoup de nemawashi, de discussions de consensus, pour modifier eux-mêmes leur propre planning de détails, tiré par les requêtes de l'ingénieur en chef. Et ce respect du planning, il est sacro-saint. Alors, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas ailleurs, mais là, c'est quasi religieux. Je me suis fait reprendre une fois par l'ingénieur en chef qui m'a un jour dit, on était un petit peu en retard dans la désignation d'un fournisseur, vous comprenez, chez PSA, on aime bien tirer les prix, je pense que certains dans la salle ne me contrediront pas, mais comme d'autres, hein, tout simplement. Je n'ai pas dit que Toyota n'était pas attentif au prix, on n'a simplement pas les mêmes façons de coopérer, on était un petit peu en retard, et il m'a dit, mais ce soulier, how can you pretend to be on time if you are not ahead of time? Les marges. Toujours les marges. Ils ne conçoivent pas leur activité sans marge. Ça m'a frappé. De la marge partout. Il leur faut de la marge. C'est la seule façon de garantir que je respecterai mon contrat, quel qu'il soit, QCDP. Alors, on va rentrer un petit peu sur les hommes. Là, moi, j'ai vu des responsables d'équipe de développement, des patrons de bureaux d'études, pour parler français, un peu la vieille mode, réellement soucieux du savoir-faire et des compétences de leurs collaborateurs. S'ils sont à la place où ils sont, c'est qu'ils ont tenu le job précédemment. Ils sont extraordinairement respectés par leurs propres ingénieurs, comme étant des gens de grand savoir-faire, et ils sont en permanence, ça m'avait, au début je ne l'ai pas repéré, mais après j'ai repéré quelques signes, ça peut être très discret dans un certain nombre de cas, des signes qui montrent que le patron d'équipe, ou la, moi je vais dire la patronne, non j'en ai pas vu, le patron de l'équipe est soucieux du savoir-faire et des compétences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il saisit la moindre opportunité pour en faire une occasion d'apprentissage. Et ça c'est remarquable. Je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Le plus grand des professeurs, c'est probablement le chief engineer, parce que lui, il a fait pas mal de divisions. C'est une fonction qui est terriblement respectée. Je me souviens de cet ingénieur qui m'a dit un jour, oh, « Vous avez parlé avec l'ingénieur en chef. Vous devez être un grand chef. » Un
respect terrible pour cette fonction. Et ce sont des gars, en général, qui ont heavyweight. Hein. Ils ont beaucoup de connaissances. Ils ont fait pas mal de départements. Et leur connaissance technique du produit est très révérée. Ça, c'est tout à fait clair. Il y a un exemple qui me revient en tête. Michael, vous connaissez, c'est Jurassic Park. Qu'est-ce que vient faire Jurassic Park? En fait, l'histoire est la suivante. On avait un steering committee à Nagoya. Alors, un steering committee, vous imaginez, il y avait les patrons des deux boards. Ce sont les vice-présidents hein, des compagnies mères, excusez du peu, sur des grands groupes. Ça se prépare. Même eux font du PowerPoint, c'est vous dire. Donc ça se prépare dans une certaine fébrilité. Hein, ça jalonne la vie d'une coopération. Où chacun est soucieux de se montrer sous son meilleur jour, de montrer un avancement réel, mais néanmoins flatteur. Donc chacun fait ses best efforts. Et naturellement, dans les jours qui précèdent, chacun est à la bourre, parce que personne n'a livré les fameux slides qui vont bien. Et donc, j'étais sous le feu de la rampe, parce que, évidemment, en tant que responsable de la conception d'une partie de la voiture, je devais faire part de l'avancement devant le board, enfin les boards. Donc je prévois ma séquence de slides. Et à un moment donné, il y a... j'ai oublié son nom, Izumi-san, qui lève la main, qui me dit, Monsieur Soulier, j'aimerais bien qu'on parle de ce problème d'accrochage de la vis diamètre tartampion, là, sur le rail de glissière. Et j'ai dit, écoutez, c'est une bonne idée, mais, hein, j'avais appris qu'il ne fallait pas dire non, c'est une bonne idée, mais voyez-vous, on ne va pas rentrer dans le détail, ça va être trop long, et l'autre insistait, je voyais que je n'arrivais pas à le convaincre. Donc à la fin, j'ai posé le micro, si j'ose dire, et je lui ai dit, est-ce que vous avez vu Jurassic Park? Alors, on était 30 dans la salle, silence total. Les Français, qu'est-ce qu'il va encore raconter comme conneries? Les Japonais, comme ça. Et est-ce que vous vous souvenez que dans Jurassic Park, le 1, hein, les autres, je ne connais pas, le 1, dans Jurassic Park, on vous explique que les dinosaures sont des, les carnivores sont des animaux très myopes, mais dont tout le trajet nerveux et le traitement du signal dans le cerveau est destiné à détecter de façon infaillible le plus petit des mouvements. Pourquoi? Parce que tout ce qui bouge se bouffe. Et donc, c'est la survie. OK? Normal. La fonction crée l'organe. Alors, il me regarde comme ça. Yes, but... pourquoi vous nous racontez ça? Eh bien, je leur dis, c'est simple. On va parler à des vice-présidents du board. Ce sont des dinosaures. Oh, ce souillé, vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Et j'ai dit, si, ça n'est pas une injure. Je n'ai pas dit que c'était des gens qui étaient plus à la mode ou qui savaient plus, ou qui étaient un peu gâteux. Je n'ai pas dit ça. Je dis, quand ça fait de longues années qu'on n'est plus aux manettes d'un développement technique, ils ont tous été ingénieurs. On a beaucoup de respect pour eux. Mais ça fait longtemps qu'ils sont plus proches du terrain, c'est normal. Sur la base de quelles informations croyez-vous que ces gens-là font leurs décisions? Eh bien, c'est simple. Sur la base des documents que vous leur présentez et des synthèses que vous leur faites. Donc moi, je me mets à la place du vice-président. J'ai 120 slides à me farcir en 2 heures pour me faire une religion, pour dire oui, non, peut-être, vous me revoyez cette copie, etc. Sur la base de quelles informations logiques croyez-vous que je prends ma décision? Ben, en particulier, sur la base d'une incohérence dans la présentation. Or, ce que vous me proposerez amènerait la possibilité d'une mauvaise interprétation ou d'une incohérence perçue entre le slide de la page 12 et celui de la page 33 où nous sommes. Et ce risque-là, on ne peut pas se le permettre. Donc, retenez, ces gens-là sont très sensibles aux écarts dans les présentations qu'on leur fait. D'ailleurs, j'en profite, hein, vous devriez vous en servir, ça vous rendra service un jour, j'en suis persuadé. Attention à la cohérence dans vos présentations. Et donc, il faut surtout être très, très, très cohérent dans l'intégralité du document que vous leur présentez, sinon, vous allez prendre une question qui n'a pas lieu d'être et qui va polluer le débat. Restons efficaces. À ce moment-là, le Butcho, le chef du département, se lève et me fait « Please, stop !» Je lui dis « Ça y est, j'ai droit à un incident diplomatique. » Parce qu'il fallait faire attention. Et il me fait le geste des basketteurs, là, vous savez, comme ça. Et là, j'avais la chance d'avoir recruté un ingénieur français qui parlait japonais, qui avait épousé une japonaise, qui disait le japonais. Alors j'étais un peu inquiet, il me fait « Assieds-toi, assieds-toi ». Ça a duré 30 minutes, montre en main, et on était franchement pressés.
Et ils se sont réunis comme les entraîneurs, vous savez, dans les films de football américains, là, je ne suis pas fan du truc, mais ils se réunissent à un moment donné et puis ils font 3, 4, 7, 12, enfin les combinaisons. C'était pareil. Et l'ingénieur de l'équipe me fait, écoute, c'est passionnant, je ne peux pas te le dire tout de suite, parce que ce serait trop long, je te raconte ce soir dans le taxi. Ce qu'il m'a raconté était effectivement très intéressant. Il a vu immédiatement une opportunité de formation. Il a arrêté le processus, il a accepté de perdre du temps, il les a réunis autour de lui, comme une équipe de football, et leur a dit, voilà, ce que le Gaijin vient de vous apprendre, c'est une façon de vous comporter face à un grand patron. Retenez la leçon. Vous devez être cohérent quand vous présentez de longs documents, parce que, et il a raison, c'est probablement la seule source d'information fiable qu'ils peuvent avoir pour se faire une religion, une vérité. Donc, vous ne pouvez pas être incohérent, sinon vous plombez complètement votre présentation. Et retenez l'excellente image qu'il m'a dit, l'excellente image que M. Soulier a adoptée, qui est celle du dinosaure. Elle vous explique bien que l'idée du mouvement, mais attention, a-t-il ajouté, ça n'était pas une injure dans sa bouche. Bien. Oui, un raptor. Bien. Alors, l'expertise technique. Là, effectivement, ça va un petit peu avec tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit précédemment. Elle est très révérée chez Toyota, et l'autorité en découle, la véritable autorité technique. Ça, c'est très clair. La contrepartie de ça, ça fait des départements très forts, des départements techniques très forts. Je n'ai pas le temps de le développer là, je l'avais développé dans mon papier. En fait, le contrepoids, c'est l'ingénieur en chef. Donc, qui fait le grand écart entre les silos techniques et qui les challenge sur un certain nombre de points essentiels du projet pour lesquels il a quelques soucis. Quelques points, pas tous les points. Le management est clairement issu d'un corps ingénieur qui porte l'excellence technique au nu, réellement au nu. Le leitmotiv que j'ai souvent entendu, c'est « mon patron sait tenir mon poste mieux que moi ». Et ça va très bien avec la démarche de tutorat que j'ai tenté de vous décrire avec quelques petits exemples un peu réels. Hein, je vous précise, c'est une vraie histoire. C'est un exemple qui m'a frappé en tout cas. Et réellement, c'est très cohérent avec le tutorat. Un soir, on termine sur le coup 22h, et puis on va boire une bière avant d'aller manger au restaurant. Et là, l'ingénieur en charge du développement des ouvrants du capot. Ça faisait un moment, je le voyais, il n'avait pas l'air dans ses bottes bien. Et puis, il boit une bière, et puis au moment de la seconde, il me fait oh, « Monsieur Soulier, ça ne va pas bien en ce moment. » J'ai dit « Ça y est, je suis bon pour une confession. » Je ne savais pas trop comment faire, et quelle attitude, quelle contenance avoir. Et il me fait « Vous vous rendez compte, mon chef est fou !» Alors, je dresse l'oreille, hein, parce que ce n'est pas fréquent d'entendre ça dans leur bouche. Ça fait 15 ans que je développe des serrures de capot. Moi et mon équipe, le mois prochain, il veut que j'aille dessiner des serrures de porte. Il est fou. Là, j'ai éclaté de rire. C'était nerveux. Il s'est mis en colère. Il m'a dit, c'est pas bien de vous moquer de moi. Mais je lui ai dit, non, je ne me moque pas de vous. Je me moque de moi et de nous. Je ne sais pas si vous avez le même problème. Moi, dans mes équipes, j'avais du mal à les garder plus de 3 ans en poste, hein, les miens. Je ne sais pas si ça éveille un écho chez vous. Donc, à partir du moment où vous révérez l'excellence technique, vous lui donnez une forme de pouvoir dans la décision. J'ai même tenté un jour de circonvenir l'ingénieur en chef, puisque je voyais que je n'arrivais pas à amener un ingénieur un peu résistant à résipiscence, parce que sa fonction était un peu chère, notamment sur une anticorrosion. Donc, je vois l'ingénieur en chef, je lui dis, vous ne pourriez pas lui expliquer que c'est vachement cher, que même chez Mercedes, ils ne font pas comme ça. Et il me dit, mais monsieur Soulier, qui suis-je pour oser remettre en cause les standards techniques des ingénieurs qui travaillent pour mon projet? Même si j'en avais le pouvoir, je ne le ferais jamais. Donc, à partir du moment où vous avez ce poids, effectivement, vous pouvez imaginer, ce n'est pas la seule source, la seule solution possible, bien sûr, vous pouvez imaginer que vous avez des personnes qui sont assez heureuses d'œuvrer dans leur fonction. Hein? Par ailleurs, ils s'abstiennent de tout commentaire en dehors de leur domaine technique. Ce n'est pas le cas de certains autres qui aiment bien parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Alors, comme disent les Chinois, parler ne fait pas cuire le riz. C'est sûr que là, ça, c'est des éléments, effectivement, de témoignages que je vous apporte, que j'ai tenté de condenser, si on peut tenter de condenser 7 ans d'expérience.
Il y a un certain nombre d'éléments tirés de tout ça qu'on a voulu appliquer chez PSA. Je vous renvoie, pour les abonnés au club ILF, hein, allez voir Richard si ce n'est pas déjà fait, je vous fais de la pub, Richard, aux épisodes précédents, le troisième Lean Summit, vous allez voir ma présentation, vous tenterez de comprendre ce qu'on a essayé de faire chez PSA. Je ne dis pas qu'on a toujours réussi. Bon, les éléments appliqués chez nous, ce qu'on a voulu faire, c'est le plus facile en premier, parce qu'on avait envie de réussir. Donc clairement, on s'est dit, le management visuel, ça ne doit pas être le plus compliqué. Je n'ai pas dit que c'était simple. Ça ne doit pas être le plus compliqué à mettre en œuvre. Et ça peut rapporter gros. C'est effectivement le management visuel qu'on a mis en place dès 2007. Et on l'a mis en place dans les équipes projet. Maintenant, ça commence à prendre dans les équipes techniques métiers, transversales, hein, la fameuse matrice métier-projet. Les métiers, ils sont venus plus tard. Les projets ont donné le lead. Maintenant, il n'y a plus un projet chez nous qui n'est pas sa salle de management visuel, on l'a appelée OBIA. Allez savoir pourquoi. La pratique, alors Nemawashi, on ne voyait pas très bien comment arriver, c'est très culturel, hein, cette pratique du consensus. On a voulu l'accélérer un peu par la pratique des chantiers. Et nous avons lancé nos premiers chantiers Lean Product Development en juillet 2007, je m'en souviens. Il s'agissait d'un MIFA, sur un processus de conception bien particulier. Et le deuxième thème, j'en dirai pas beaucoup plus ici, parce que sinon je vais carrément déborder du temps qui m'est alloué. Je sens que le papier 10 minutes frémit. C'est le lancement d'un certain nombre d'initiatives de Set-Based Concurrent Engineering, dont je fais état rapidement dans la présentation de l'année dernière. Sincèrement, pour les patrons d'ingénierie qui sont dans la salle, si vous n'y avez pas goûté, allez faire un tour. C'est réellement d'une grande puissance. D'une très, très grande puissance, et ça parle au cœur de l'ingénieur. Je ne vous parle pas d'un concept fumeux. J'étais patron de bureau d'études, j'étais patron de projet. Je suis plutôt sur le côté pratique des choses, de par ma propre origine, même si aujourd'hui je m'occupe de démarches et d'initiatives transversales hein, au travers du Lean Product Development chez PSA. Ce que je peux vous dire, c'est que cette démarche-là est très, très, très pratique. Donc je ne vous en dis pas plus, je lui ai fait assez de publicité comme ça. Je voulais juste terminer en guise de conclusion avec quelques slogans, parce que je ne résiste pas au plaisir. J'avais tenté de dire, tiens, les attitudes que je vois, si je devais en faire une liste de 10 commandements, en fait j'en ai beaucoup plus, c'est illisible le slide qui suit, une liste de 10 commandements, si j'étais l'ingénieur Toyota Lambda, une phrase avec un verbe d'action et un infinitif, et à la première personne, qu'est-ce que ça donnerait ? Ça donnerait que déjà, il ne faudrait pas oublier par commencer à vous dire que la machine à formater les esprits, elle marche aussi très très bien en ingénierie. On en a eu de très nombreuses et extraordinaires preuves à l'usine, à Colline, où j'ai des collègues PSA qui ont travaillé pendant des années au milieu des équipes Toyota, chance que je n'ai pas pu avoir moi-même. La machine à fabriquer les esprits, il y a une phrase là-dessus, hein, on ne fabrique pas des voitures, on fabrique des gens, on fabrique des esprits. Elle marche très bien. Hein, et j'en ai eu de nombreuses preuves. Et que finalement, c'est bien la preuve que, comme d'habitude, hein, je me répète, les hommes font les produits, seuls les hommes font les produits et pas les systèmes. En tout cas, les systèmes sont à leur service. Alors, les slogans, comme promis, je vous avais dit que ce serait illisible. J'assemble des briques calibrées qui me garantiront un résultat plus capable que si je devais le faire avec des briques moins soignées, mais avec un bon coup de main. Vous voyez ce que je veux dire, un brique, vous remplacez par spec technique, concept, ce que vous voulez, dossier de consultation type, hein, ok. Attention, là ça m'a vraiment frappé, ils sont capables de faire fonctionner même des types très moyens dans leurs ingénieries. Et Dieu sait que j'en ai rencontré, hein. Oui, ceux-là ils sont un peu difficiles. Non, je préfère travailler avec les autres qui au moins, bon, bref. Mais ils font des trucs extraordinaires. Eh bien, même des individus normaux, bien formés, peuvent contribuer à amener de la valeur ajoutée. Viser le résultat souhaité n'est pas suffisant, j'y ajoute une marge garante du succès, la constance du résultat. Hein. Souvenez, ahead of time. La règle précédente est particulièrement vraie pour le planning, je vous en ai parlé. Je focalise aussi bien mon activité sur la recherche de l'amélioration que sur la réduction des risques, ce qui me permet de certifier la solution. Je ne vous raconte pas les heures qu'on a passées sur le grade de polyacétate qu'on a mis sur le renvoi d'angle de la bélière de ceinture de sécurité pour garantir le quart de micropoil de point Euro NCAP pour le glissement de ceinture. Ce n'était pas vraiment utile, ça nous a permis de garantir le coût.
On était certain du résultat. Je cherche la concision dans mes rapports et j'enseigne avec mes collaborateurs. Ah, ça, c'est frappant. Ils n'hésiteront pas à faire refaire. Moi, je n'ai jamais osé demander à un de mes ingénieurs, écoute, c'était pas vraiment bien, j'aimerais que tu me le refasses. J'ai jamais osé demander ça, j'avoue. Vous, sans doute, en tout cas, je l'espère. Moi, j'ai un peu de mal. Là, je l'ai vu. Hein. Et hop, 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. C'est très puissant. C'est assez scolaire et assez bestial, mais ça marche. Je préfère, oh là là, celui-là, il ne faut pas le lire. Je préfère poursuivre avec un mauvais partenaire que je connais et que j'ai amené à progresser plutôt qu'avec un nouveau dont j'ignore tout. Waouh. Ce qui les intéresse, c'est le potentiel, hein, quelque part. Et si vous montrez en tant que partenaire, et je l'ai vu avec des fournisseurs, si vous montrez que vous avez un intérêt réel pour l'amélioration, vous donnez des preuves que vous cherchez l'amélioration, vous pouvez être mauvais à l'instant T. Et ils seront beaucoup plus sensibles à ça que si on leur promet mon émerveille sans preuve. Hein. Ça, c'est très clair. L'herbe du pré voisin n'est pas forcément plus verte que la mienne. Bon, souvenez-vous des joints de pavillon. Alors, celle-ci, je ne sais pas si... Bon, je témoigne. Je restitue les marges non utilisées. Chez moi, je n'ai jamais vu un ingénieur restituer ses marges. Chez eux, c'est très fréquent. Et, ah ben non, finalement, je n'ai pas besoin de ces 10 kilos euros pour faire le mulet ou le proto. Bon, voilà, je les rends au projet. C'est bien. Mon client n'est pas que celui qui achète la voiture. C'est aussi celui qui est en aval de mon activité et à qui je dois aussi certifier l'excellence de mon livrable personnel. Alors ça, c'est prégnant. C'est partout. Respect for interface. Respect for interface. On le voit dans les séances de handover. Quand on transfère le dossier du produit vers la conception du process, du process vers l'exploitant industriel, le handover, c'est sérieux. Hein. Ça se prépare et c'est saignant, hein, même chez eux. Donc, un très, très grand respect pour l'interface aval. Je ne me prononce pas en dehors de mon domaine d'expertise. Je me souviens, sur un boîtier électronique, l'électronicien, je lui fais « Bon, enfin, monsieur Ito, c'est évident, la solution PSA est la meilleure, hein, par rapport à celle de Toyota. Nous, on met le boîtier électronique contre le moteur dans le compartiment moteur. » Il me fait « Oui, mais nous, on le met dans l'habitacle. » Ah, j'ai dit « Oui, mais chez nous, ça économise une traversée de tablier. Vous savez, le truc que vous avez sous les pieds. Donc, c'est meilleur pour l'acoustique. » Et il me répond, ben, je ne sais pas, je ne suis pas acousticien. Je dis, attendez, il n'y a pas besoin d'être acousticien pour comprendre que quand il y a un trou, ça fait passer du bruit. Ben, ce n'est pas mon truc. Alors, il a noté, et puis j'ai eu droit à une réunion avec l'acousticien. Oui, ben, ça fait rire, sauf que... Alors, ça, c'est pénible, sauf qu'on va droit au but. Et le corollaire, c'est que je suis assez puissant dans mon domaine d'expertise aussi. D'accord, même un type moyen, quand il a bouffé des serrures de porte pendant 15 ans, il finit par savoir quelque chose sur les serrures de porte, je vous prie de le croire. Non, finalement, le boîtier, on l'a mis dans le compartiment moteur. Ah, sur ce coup-là, bon, il se trouve que bon, on a eu raison. Alors, celle-ci, je l'aime bien. De deux idées, la plus simple est préférable. À égalité, je choisis celle qui donne les résultats industriels les plus constants. Hein, les philosophes reconnaîtront le principe du rasoir de Cam. Ça, c'est réellement un filtre qui est systématiquement utilisé. La sérénité du fabricant n'a pas de prix. Celle-là, on pourrait peut-être la mettre en haut, en lettres d'or. Je teste moi-même dans mon labo, par mon métier, les résultats annoncés par mes fournisseurs. Alors ça, tiens, j'avais un exemple, je me souviens. Vous savez, quand vous voulez mettre bébé à l'avant, c'est possible, avec un siège de la route. Évidemment, comme il y a un pétard dans la planche de bord, ce n'est pas bon pour la santé de bébé. Donc, il y a un interrupteur. Hein, vous prenez votre clé de contact et vous le faites tourner en général, c'est dans la joue de planche de bord pour pas qu'on le manipule quand la porte est fermée, évidemment. Bon, alors on a un switch pour faire ça. Et puis notre switch à nous, c'était le moins cher. Bon, ben, on le prend. On prend celui de PSA. Alors du coup, il demande 30 pièces au fournisseur, il me demande les plans, les specs, enfin la totale. Bon, ok, pas de problème. 15 jours après, l'électricien revient en se dandinant, jamais bon signe ça, dans mon bureau. So yes, I have a problem. Mais qu'est-ce qui se passe, Itosan? Et il me dit, ben voilà, c'est au niveau de l'aspect. Je dis quoi, la puissance de coupure n'est pas respectée. Non, ça j'ai fait les tests moi-même, il n'y a aucun problème. Par contre, sur les 30 pièces, j'ai assemblé moi-même, et il m'a montré son montage, un truc à la Dubout, avec des bouts de carton et du scotch, et un rapporteur d'écolier, je vous jure que c'est vrai. Et il dit, voilà, dans votre spec, vous dites qu'entre la position on et la position off, alors il y a un gros truc échelle 10, là j'ai maudit le dessinateur qui avait fait ça, et il y avait marqué 90 degrés. Bon. Et alors il me fait, vous n'avez pas mis de tolérance. Oh, mais je dis, qu'à cela ne tienne, si ça vous embête, on va mettre une tolérance. Et il me dit, non, pas de problème.
j'ai lu votre norme à 10, 50, 30 tartemuches, c'est bien le seul d'ailleurs à l'avoir lu, qui dit que sur un plan PSA, quand on ne met pas de cotation de tolérance sur une cotation angulaire, c'est moins 2 plus 2 degrés. Je fais oui, et alors ? Elle me dit, donc, normalement, une pièce bonne, elle est entre 88 et 92 degrés. Je lui dis, continuez, je vous suis. Et il me fait, bah voilà, j'ai mesuré moi-même, il est très fier, il montre les photos de son montage avec bout de scotch, le rapporteur des colliers. Les 30 pièces, elles sont à 114 degrés. Je lui fais, oui, mais vous venez de dire que la fonction était tenue. Puis franchement, le switch inhibition airbag, pour ce qu'on s'en sert. Je lui dis, mais on s'en fout. Enfin, pardon, c'est pas très grave, monsieur Ito, c'est pas important si la fonction est tenue, 114, 90, au client ça change pas grand chose. Et il me fait, oui, monsieur Soulier, mais si c'est pas important, pourquoi est-ce que vous avez mis une cote au plan? Bien, alors, par ailleurs, je ne me contente pas de vérifier. Alors ça, le dernier, il est important, en particulier pour le set base, concurrent engineering, j'ai pas le temps de développer. En gros, échangez des espaces, n'échangez pas des points. Entre ingénieurs. C'est le secret de la réussite. Une bonne ingénierie, c'est une ingénierie qui sait intersecter ses différents domaines d'expertise. La meilleure voiture, ce n'est pas le meilleur système de freinage, la meilleure clim, la meilleure planche de bord, le meilleur style. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc il y a forcément des compromis. Ça s'appelle une synthèse en langage d'ingénierie. Donc je ne me contente pas de vérifier que le cahier des charges est respecté, je vais au-delà, jusqu'à la ruine, afin de qualifier complètement le résultat et de me donner une idée des marges réelles. Ce sont des gens qui connaissent très bien les domaines de vol des pièces qu'ils développent. On ne peut pas en dire autant de toutes les ingénieries. Moralité, si moi, en tant que spécialiste de ma pièce, je connais son domaine de vol, c'est-à-dire son champ des possibles, tiens, vous me voyez venir avec mon champ des possibles, hein, avec mon entonnoir, là, tout de suite. Si je connais mon champ des possibles, et si le collègue d'à côté connaît son champ des possibles, il y a plus de chances d'arriver à trouver une intersection entre deux segments de droite ou un espace dans un diagramme, knowledge curve, trade-off curve, que si j'arrive en disant mon standard, c'est 145 000 cycles à 20 degrés. Il n'y a aucune chance de trouver une intersection entre deux points. C'est aussi bête que cela. Donc, ils testent, en particulier avec les nouveaux fournisseurs, avec les nouveaux concepts, jusqu'à la ruine. Voilà. Alors ça, il y en aurait bien d'autres, hein. C'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, je les aime bien. Je trouve qu'ils s'appliquent assez bien aux ingénieries. Je ne peux pas vous garantir qu'on les a tous mis en application. Ce que je peux vous dire pour celles et ceux d'entre vous qui seront curieux de lire ce que j'avais pu produire il y a un an, bah, vous verrez ce qu'on a tenté d'appliquer par rapport à l'expérience que j'ai tenté de décrire en à peu près une heure auprès de vous. Si vous avez des questions...